Salut à tous, c'est DS pour une petite vidéo sur Minecraft accompagnée de... Eden et Jordo. Voilà, et JM qui est pas dans la partie et qui dort non plus. Il y a Ormelune aussi mais qui est pas connecté sur notre Mumble. Donc on a décidé de vous faire une petite vidéo sur un endroit encore assez sublime, mélangeant cavité monstrueuse et mine abandonnée. Avec... ah, il y a un mob juste derrière là je crois, viens voir Titoun. Ouais, j'arrive. Ah, si t'as une pelle, c'est l'occasion. Ouais, effectivement, il y a un squelette juste derrière là. Ok, j'arrive. Il y a des pelles en dessous encore. Enfin, des rails, pardon. Et il est trop loin, je peux pas l'avoir. Mais je crois qu'il me voit pas en fait. Il a pas décidé à me suivre. Oh merde. Ouais. Bon. Donc ouais, l'idée c'était de vous montrer un peu ce que l'on avait découvert. Alors là, on est sur un village de PNJ dont vous allez voir sur la carte l'emplacement, qui est extrêmement loin. Et bah pour y rentrer, c'est relativement simple, on a fait des escaliers, donc là, on va montrer un peu le village des PNJ. Alors, Titoun, je suis sorti, hein, je vais aller vite fait faire un petit tour du village des PNJ qu'on a découvert. Qui n'a pas du tout été retouché, donc il était tel quel lorsqu'on l'a découvert. Et il s'avère qu'on en a découvert entre 6 ou 7 déjà des villages de PNJ au total sur la carte, en faisant des explorations. Bon, y a... Attention. Hein ? Ah ouais, non. D'accord, c'est Jordo, ouais. Donc voilà à quoi ressemble le village des PNJ. Plutôt sobre par rapport à ce qu'on a pu voir, mais pas forcément très beau. Mais bon. Donc là voilà, on est trois, on va partir en quête. Alors Jordo il est équipé d'un arc, ça c'est bien, en plus il est équipé d'une belle armure en acier. Et Titoun il est avec sa bite et son couteau. Et moi pareil. Grosso modo pareil. Un peu de bouffe et voilà. Donc voyez un peu ce que ça donne quand on arrive dessus, c'est tout simplement gigantesque de chez gigantesque. Et je crois que je vois un coffre en face, et oui. Affirmatif. Affirmatoire. J'ai vu un coffre en face, on va aller voir ce qu'il y a dedans immédiatement. Alors, est-ce que vous avez pensé à prendre des torches par contre? Ouais. Oh, 6 graines de melon, une pioche en fer, un pain, 5 charbons, 2 blocs d'or. Attends, je vous passe des torches. On va rester. Attention, ne tombez pas, il y a de la lave en bas. Ouais, il y a des rails à récupérer aussi, comme ça on pourra finir le chemin de minecarte. Il y en a au niveau de la lave derrière et puis il doit y en avoir devant. Ce coffre. Il y en a juste en dessous de toi aussi normalement. Ce coffre on le laisse, il est bien hein, je pense. On peut s'en servir pour stocker des affaires. Ah, zombie. Ouais, zombie. J'entends. Va falloir qu'on essaie de rester groupé un petit peu là, je vous ai perdu de vue mais bon. Je récolte les voies. Ah d'accord, vous êtes monté. Je récolte les voies moi. Ouais. Juste en dessous, toi, on va se faire une mission chemin de fer. Donc l'idée c'est de récolter du fer, des chemins, des rails. Encore un coffre. 2 graines, 3 graines, 7 charbons et un diamant. Et je vais le casser, je vais le mettre à côté de l'autre ce coffre là. Warning, j'ai un problème, c'est que j'entends du bruit et bien juste à côté de moi. Genre araignée. Non, zombie ou un creeper. Donc ouais, les deux coffres, j'ai décidé de les mettre côte à côte. Hein. Si vous voulez stocker des choses qui vous paraissent importantes à pas perdre. Oh putain, il me fait peur, Jordo. N'hésitez pas. Les graines de melon, l'or, le charbon, je vais en prendre un petit peu avec moi. Le diamant, c'est pareil, je vais le laisser là. Du pain, on en a beaucoup. Liseur, ça j'en ai pas besoin. Les flèches non plus. Ah, t'en as peut-être besoin, hein, Jordo, des flèches, j'en ai 3. J'en ai une trentaine. Ah, il y a Ormelune qui a découvert un village de PNJ, elle est en train de dire qu'il est immense. Faudrait qu'on aille le visiter, un de ces quatre. Je suis en train de prendre un peu de charbon. Donc moi je serais tenté d'aller là-dessous là. T'as vu la fontaine comment elle est? Hop. Ouais. Oh putain. Quoi donc? Bah rien, je suis tombé. Ah. Ouais. Rien de grave là. Merci pour les torches. Attends, je vais faire un pont. Ah ouais, c'est vrai, il est grand. Je le vois d'ici. Enfin, je le vois depuis la map. Bon, ça a l'air d'être encore de la cavité bien monstrueuse là-dessous, donc on ira voir plus tard. J'essaie de... Attends, je récolte. J'essaie de... Et... rails. Ouais. Oh merde, elle a cramé. Prends du fer et des rails en priorité. Le reste... Récolter, hein, je vais un peu en éclair devant s'il y a un donjon. Ouais, ok. Je m'éloigne pas trop de vous. Bon, je me fais des missions fer aussi. Hein. Donc là, il y a du fer, par exemple, je vais le prendre. Ah, zombie. Eh, j'entendais depuis tout à l'heure et il m'agaçait ce que je voyais pas. Et sincèrement, c'est plus grande que j'ai jamais vu celle-là. Elle est belle, hein. Elle est vraiment chouette celle-ci. Ouais.
Elle fait deux fois celle de la petite Fortocar ou quoi? Même. Non, celle dans le village des PNJ 1, elle fait deux fois Fortocar, celle-là elle fait bien trois fois. Ouais. Genre 2, je t'accompagne. Ah, oh, araignée. Il y a araignée quelque part. Ouais. Derrière les graviers, je pense. Je suis en train d'arriver. Ouais, attends, derrière les graviers, il doit pouvoir. Tu veux que je gratte? J'ai une pelle. Attends, je regarde. La DS, on a besoin d'une grosse arme. Ah, dès qu'on a besoin de grosse arme, c'est moi qu'on appelle. J'ai de la TNT, hein, t'inquiète. TNT, lave... Ah, les zombies, je les entends, vous êtes allés voir par là ou pas? Ouais, bah oui, regarde, elles sont là, elles sont ici. Elles sont juste là. Elles sont ici, regarde. Elles sont là. Bon bah, recule, je vais tout faire exploser. Ouais, t'es sûr, c'est un peu radical comme traitement, non? Radical mais efficace. Et c'est plutôt marrant, je trouve. Ah oui, il y a du zombie par ici. Moi je les entends aussi là où je suis. Bah ouais, bah je suis juste derrière toi. C'est une grosse explosion hein. Putain, on dirait qu'il est juste à côté. Essayez de me rejoindre les gars, j'entends des araignées. Ah, elles foncent, elles foncent, elles foncent. Je suis juste derrière toi là. Araignée. Qui c'est qui a été touché, c'est Jordo? C'est Jordo. Ah ouais, mais... T'inquiète. J'ai pas de briquet, ça c'est con, il aurait fallu qu'on fasse un petit four, un peu de fer et puis refaire. Y'a encore, y'a des araignées qui arrivent, attention, araignées qui arrivent, y'en a trois. Araignées vertes. Non, bloqués, bah elles peuvent pas passer, bloqués. T'inquiète. Ouais. Y'a un zombie dans le coin là. J'ai le saut de lave, j'ai deux briquets si vous voulez, j'ai des pièges, j'ai des fléchettes, pas taper à j'ai, travers, des... Là. J'ai des épées en fer. Passer là, il y en a 4 derrière. Ils peuvent pas passer là où je suis en train de casser. Non, non, reculez, je vais casser le bloc de milieu, je vais larguer la lave. Ouais, bien ça. On recule. Y'a quoi derrière, vous êtes allé voir un peu? Attention, voilà. Attention, ouais, un mec qui s'est libéré. Passé, je vais tuer. Attention, attention. Ouais, ouais, je vais la tuer. Ça va? Ouais. Putain, ça va. Oh, ouais. T'es bien au niveau bouffe? Ouais. Oh, ouais, ouais. Une petite bug, elle est pas dans la lave. Elle est dans la lave mais elle crame pas. C'est pas grave, c'est les poteaux qui les font bugger, je vais les casser aussi. Le zombie il est par là je pense. Il doit être perdu dans les dédales de couloir là quelque part. Non, il est par là. Ici. Je l'entends moi par ici, hein. Je suis sûr qu'il est par là. Ouais, moi aussi, moi j'ai l'impression qu'il est juste à côté de moi là. Encore un coffre. Ah, je vois, je crois que c'est un creeper que je vois en face, non? Oh merde, attends. Non, c'est un zombie, autant pour moi. Mais essayez de me retrouver si vous pouvez, vous allez voir, il y a un coffre encore. C'est le troisième qu'on trouve depuis qu'on est arrivé ici. 4 rails, 4 graines de melon et 5 charbons. Ça me va, je prends tout. casse le coffre si tu peux. On va essayer de le déplacer, on va les regrouper. Ça sert à rien qu'il reste tout seul ici, on repassera peut-être jamais de toute façon. Bon, ça sent encore la grosse mine où on va se perdre quoi. Ah, regarde ici, il y a une espèce de descente. Tiens. Là où je suis. Bon, il va falloir qu'on aille voir Ormelune, un de ces quatre, voir cette découverte de village PNJ. Si elle dit. Apparemment, c'est le plus grand qu'on ait jamais trouvé. Si c'est le plus grand, il peut vraiment être énorme. Pas de. Non, il y a un peu de fer ici. Ah, il y a des araignées aussi derrière, je sais pas si tu les entends. Ouais. Il y a des maisons mal générées, on peut pas y rentrer. Oh putain! T'es là, Titoun? Rien. Ouais, je suis là. Rien, on est tombé sur un donjon. Oh merde. Attends, j'ai un briquet. Ah non, merde, j'ai plus mon briquet. Bah, on a du fer, on va revenir en arrière, on va aller faire fondre un peu de fer à ce moment-là. Okay. Je vais essayer de faire un peu de repérage. Je sais pas comment on pourrait s'indiquer le truc. Ah, je l'aime pas le zombie derrière moi, je vois où il est. Tu sais comment on ressort d'ici ou pas, Titoun? Ouais, je... Bah ouais. Vas-y, ouais. Je te suis. Ah, tu veux qu'on sorte? Bah, je voudrais faire en fait un four à côté de deux coffres qu'on avait fait tout à l'heure. Attends, je casse 2-3 barrières là, qui me gênent. Les deux coffres, tu les as mis là, ok. Tiens, il y a Jordo devant. Ouais, il y a une arme de prise. Avec un zombie. T'as besoin d'aide ou pas? Oh merde! Venez voir, il y a un trou là. Ouais. Attention, non!
Faites attention, j'ai largué la lave en plein dans le donjon. Ok. Pour les calmer un peu. Et où alors? On fait quoi? On se fait un saut là? Ça vous dit un petit jump? Allez, c'est parti. Hop. Je le sens pas trop. Ouais, ça va, ça craint rien en fait. Il y a de la lave, mais c'est peut-être la lave que t'as mis, Jordo, j'ai l'impression. Attends, le donjon. Ah, puis j'ai pas pris. On pensait à prendre de l'eau. Quelqu'un a pris de l'eau ou pas? Non, j'ai même pas de seau. J'ai un seau. J'ai deux seaux. Non, j'en ai qu'un, je crois. On peut essayer de canaliser la lave. Est-ce que j'ai des blocs de pierre? Ouais, j'en ai. Bah, ça va être facile. Bloc de pierre, j'en ai aussi. Merde, je me suis foiré. On voulait. Bon, bah, tant pis. Quand ça veut pas, ça veut pas. Ça s'arrête pas la lave? Ah, voilà. Bon, j'ai le donjon en visuel. Comment tu fais de lumière? Hop, je te remis. Si tu en veux un deuxième donjon, il y en a encore un pas très loin, tu vas pouvoir t'amuser. Mais d'ailleurs, l'idée ce serait d'y aller à plusieurs, non? Parce que tout seul, tu risques d'y aller un peu. DS, il y a pas de problème. Ouais, j'ai la petite. DS, il y a pas de problème. Premier donjon d'être. Vous pouvez venir, premier donjon d'être. Je vois un trou là, regarde. Attends, je vois rien. Faut déblayer la lave. Ah ouais, et excellent. Quelques araignées qui traînent. On fait quoi? On saute? Traîne. Bah, Jordan, on te laisse nettoyer, hein. Comme t'as déjà tout détruit. C'est pour ta gloire personnelle. Alors, faut préparer un escalier au cas où de retour. Ouais, bonne idée. Y'a du zombie aussi, je sais pas si tu les entends, Titon. Non, j'entends rien. Faut penser à prendre un peu de bois aussi, c'est important pour se faire des pioches. Parce que là, je prends beaucoup de charbon. Et aussi, faites attention, quand vous pétez un donjon, il peut en avoir un deuxième juste à côté. C'est déjà arrivé plusieurs fois. On saute Ah non, c'est vrai, tu voulais faire des marches, autant pour moi. Attention. Vas-y. Ouais, il va falloir qu'on recule vachement quand même pour les faire. On peut pas les faire ailleurs. Ah, il y a peut-être un trésor caché quelque part dans l'étoile d'araignée. Tu regardes. Oh merde. Quoi merde. Ah. Je suis tombé. Je pensais que c'était une araignée. Ouais, mais il y en a en plus en bas. Ils sont dans l'entendre aussi. Ouais, mais moi je suis en bas et je vois tout. Alors il y a de la lave, de l'eau. Oh putain, creeper, bon, creeper. Attention. Éloigne-toi. Non, pas encore, mais... L'enfoiré. C'est bon, il est mort. Il est où? Oh le salaud. Il est où? Non, mais il est mort. Bah il est arrivé, tu vois les marches là au-dessus? Ici là? Mais il est arrivé de là. Ouais. Tout comme j'entends des araignées qui viennent de là aussi. Non, il vient du bas. Ouais, c'est genre il m'a fait peur. Premier donjon a été nettoyé. Le deuxième, je sais plus trop où il est, mais moi je me suis fait une mission rail, donc je vais chercher des rails. Quoi. Là, il y a des rails. Ouais, j'arrive. Attention, il y a encore un donjon. Il me semble qu'on l'entend. Derrière l'eau. C'est bizarre, je mets des torches, ça s'allume pas. Ah. Vous, c'est allumé? Ouais. Ouais, c'est allumé. Merde, c'est moi qui bug. Oh, je suis déconnecté. J'ai un bugué. Titoon, t'es où? Je suis avec Jordo là, je l'ai connais. Okay. Ah, vous êtes remonté, non? Non, on est toujours au même endroit. À ta gauche. Derrière toi. Ah oui, d'accord. Ah, vous étiez remonté. Vous. Il y en a 4-5 là. Et c'est quoi qu'il y a au fait? J'ai pas suivi. Les araignées vertes, 4-5. Mmh. Et un donjon juste derrière l'eau. Ouais, je coupe un peu le bois aussi. Mais attends, c'est Jordo qui avait la lave aussi. Donc, enfin, même les seaux. On va l'attendre. J'arrive, je me reconnecte. Bon, j'espère que je vais pas me reconnecter au milieu des araignées. Non, normalement, non. Ouais, c'est bon, t'es là. Bon, moi je récupère des barrières, un truc qui sert à rien. Ouais, faut... Non, fais gaffe, hein. Fais chier, la low, elle m'empêche de le mettre. Oh, t'as pas un deuxième saut éventuellement? Non, mais coupez sur les côtés à ce moment-là, on va creuser sur les flancs. Ouais, elles sont énervées, hein. Jordo, attention. Quoi, où, quand, comment? Araignée verte, derrière toi, descends. Ah, mais je craignais rien là où j'étais. Non, elle venait vers toi, justement. Bah, bloc là. Attends, je la tire au lapin. Voilà.
Ah bah c'est bon. Dégagez, je vais prendre des flèches. Ok. Elles ont l'air énervées hein, les araignées, putain. Ouais, ouais, ouais. À chaque bloc que je creuse, j'ai l'impression qu'elles vont être derrière. L'angoisse. Ah, elle est passée, hein, j'ai niqué. Elle est passée ? Oh, ouais, mais tu as la fléchette en plein là entre les yeux. Ça va, tu vas t'en sortir ? Ouais, ouais, ouais. Je cherche juste à remonter pour prendre de la lave. Par contre, DS l'a fait gaffe. Bah, il semble aussi, c'est le but. Ouais. Ah, il y a du sable ! Attends, plus non, non, mais moi aussi j'en ai une, mais il me semble aussi, ouais, ça doit être la mer. Oh putain, c'est quoi ça? Ah, regarde, l'eau, elle est juste derrière, en fait. Enlève pas le sable, hein. Enlève pas le sable, il y a de l'eau. Wow, elles sont en train d'être inondées, les araignées, je crois. Non, 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 c'est la source qui tombe juste au-dessus et qui bloque le passage à genre d'eau. Ah ouais, merde, me pousse pas, s'il te plaît. Attends, élargissez la zone si vous voulez, mais ne nous gênons pas. Elles peuvent rien faire, les araignées, avec l'eau, de toute façon, elles sont gênées. Ça devrait être plus facile que prévu, en fait. Ah, j'en vois une. Elle est pas belle, hein. Ah oui, ouais, aussi. Moi, je sais pas, c'est un bug ou quoi? Ah oui, ouais. Elle a l'air de bugger, en fait. Ah oui, effectivement. Ah là, elle bug plus, par contre. Putain. Ok. Bon, c'est un petit peu dangereux. Oh merde, il y en a encore une. Attention. Là, je suis touché. Ok. On va se remettre la santé à plein. Hop. T'as besoin de bouffe ou pas, Titoun, c'est bon? Non, c'est bon, j'ai ce qu'il me faut. Par contre, la prochaine bah, attaque, attends de te soigner complètement. On va élargir un peu la zone. Voilà. Non, il y en avait deux. Il y a de l'XP aussi en dessous. Par contre, je pourrais pas larguer de lave, hein, comme j'ai pas trouvé de chute bah, de lave. Ouais, et puis... Je sais pas, en fait, soit on saute et on y va à l'arrache, soit on attend. J'ai l'impression que ça craint rien, cette zone. Regarde, Jordo, dis-moi ce que t'en penses. Là où je suis, là, juste en dessous. Le donjon, il est juste en face de toi, en fait, DS. Faut monter encore. Ouais, regarde. Viens de où je suis et regarde à travers de l'eau. Ouais, je n'arrive pas à voir, en fait. Vrai, ah ouais, ouais, je le vois. On a deux choix, soit on le monte et on le pète. Ah, il est en face, ok, oui, je le vois, ça y est. Des torches. Ah, c'est jouable ici, non? Ouais, c'est jouable. On va les laisser se faire embarquer par l'eau, hein, les araignées, et puis nous, on pète le donjon. Attends, je tire dessus à la flèche. Quoi? Attention. Recule un peu, je tire dessus à la flèche. Ah, on peut pas le toucher. Ah, elles sont bloquées par le poteau. Non, je suis pas à portée des bouts de bois. Mais on, hey, je peux peut-être l'attendre d'ici. Casse la pierre là, casse la pierre qui est à ta gauche, juste devant toi. Attends, que là elles sont libérées, faites gaffe. Oh putain! Pas grave, pas grave, t'inquiète. Garde contrôle. Reboucher, sinon passe. Ça va être une invasion. On était pas loin d'être à portée, hein. Je pense que c'était bien ce qu'on faisait, non? Tu veux que je rebouche ou pas? Attention. Oh, on va crever. Barrez-vous. Ouais, on va crever là. On se casse. Titoun, t'es descendu? Ouais, ouais, je suis en bas. On fait quoi alors? Quelqu'un a une idée intéressante? Bah moi je propose de monter en hauteur, le problème c'est la mer. Ou sinon ce qu'on peut faire, on le pète par dessous. Merci. Mais là on peut pas l'atteindre si on casse par là. Il y en a qui s'est libéré. Attention, il y en a qui arrive. Ah non, c'est bon. C'est bon. Ah non, elle est là. Oui. Putain.
la salope. Attention de pas vous tirer, taper dessus. Ouais, ouais, je fais bien attention à ça. Laisse passer Titoun, j'ai essayé de bloquer le chemin pour qu'elle descende. T'as pas un seau à ce moment, tu peux pas essayer de reprendre la source d'eau éventuellement? Si c'est possible, mais je pensais plutôt la péter par dessous. Vraiment bien viser au bon bloc pour pas qu'elle passe. Ouais, je vois c'est quel bloc, je vais essayer. Je récupère ma vie. Oh, il vient de me pousser. Yes. Faudrait qu'on essaye d'atteindre la source. Y'en a pas mal. La source est pas. Je suis passé à travers. Je crois non. T'es où? Bon, je tente de l'exploser par le dessus. Oh putain, je suis embarqué par une source. Bah je suis passé à travers, je sais pas si tu me vois. Là, Titoun. À travers l'eau, là où il y a la. À droite de la. Du donjon. Non, non, mais regarde vers le donjon et regarde ensuite à droite. Tu me vois ou pas? Je te vois, moi. Ouh. Ouais, tant pis, c'est pas grave. Ah, t'es là? Ah ouais. Ouais, ouais. Je vais essayer de passer. Donjon. J'ai le donjon, ça y est, je le touche. Ah merde, j'aurais pas dû casser ça en fait. Oula, oula, t'as vu ce qu'il y a là? Bien joué. Donjon est pété. Par contre, ça va être une invasion avec le reste. On va essayer de venir t'aider. Ah non, il y a un trou. Ah non, c'est bon, elles sont bloquées dans l'eau. Je suis en train de les inonder. Ah ouais, j'en vois une là, en face de moi. Quoi? Oh merde. Rien, c'est bon. Attention, il y en a une qui arrive vers toi, Jordan. Si elles peuvent se déplacer dans l'eau. Ah ouais, elles peuvent. Je vais les tirer. Tirer aux fléchettes dans l'eau. Pas sûr. Ouais, je l'ai touché. Je suis vraiment un piètre épéiste. Titoun, qu'est-ce qui t'arrive? Et une dans moi. Ah ouais, putain, merde. Je me suis fait toucher. Ça va, Titoun? Ouais, pour l'instant, ça va, ça descend. Ouais, et je vais dire où ça s'arrête. Il y en a une qui arrive, fais gaffe Titoun. C'est bon. Attention. Merde, je suis touché. Non, c'est bon. Je crois que je vais passer. Et ça te laissera toujours un cœur. Ma vie à descendre, j'avais que 3 carrés. T'as rejoint nous, Jordo, si tu veux. Oh putain, encore une. Attention, encore une. Je vais crever. Pas de panique. Elle est où? Oh, GG, Jordo. Je l'ai lu. Reste à distance et soigne toi. Tiens, un coffre derrière. Ah non, autant pour moi. C'est bon, ici c'est nettoyé, mais il y a encore d'autres donjons apparemment. Qu'est-ce qu'on en entend? Derrière des graviers, il y a toujours quelque chose. Et des fois, c'est rien de bon. C'est vrai. C'est mettre. Ah, c'est complètement l'inondation. Faut que tu trouves la source et que tu l'enlèves, ça va pas être évident. Mais il y en a plusieurs, qu'est-ce qu'on est relié à la mer? Je vois vraiment pas qu'il y ait la mer juste au-dessus. Quoi. Non, c'est bon, je vais gérer. Ouais. Il y a quelque chose par là. Oh, ah oui, c'est un énorme trou. Il y a encore des rails, il y a encore des rails, j'en veux. Je veux des rails. Je veux des rails. Bon, bah voilà. On va arrêter la vidéo ici sur un nouveau donjon, une nouvelle mine, un nouveau village de PNJ. Enfin, tout plein d'aventures. Et encore une grande salle, magnifique. Bon. Enfin voilà, c'était nous tous pour la SS117 comme d'habitude. Je vous dis à bientôt. Salut. Salut. Salut.